Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très très bien, c'était les Cap le Best. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8, si j'ai pas de bêtises, numéro 8, de Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Ciel. Et c'est le petit moment que je vous propose pour faire un petit bilan pour le moment de ce let's play. Au niveau des personnes qui suivent, etc. Alors bon, je suis pas très surpris des personnes qui suivent, hein. Alors parmi les commentaires que j'ai, Dr. Chips, c'est celui qui est le plus assidu. Après j'ai mon abonné, fan des types plantes qui est très assidu aussi. J'ai Danny Masta, parce que bah, ça me fait plaisir que vous suivez étant donné que je lui ai rendu hommage avec mon partenaire. Sinon, bah, j'ai d'autres personnes qui suivent, donc voilà, j'en ai aussi une. J'ai oublié son pseudo, mais elle m'a découvert sur Colosseum et c'est une fille, donc je pense que là ça peut être. Donc voilà, je vous remercie à vous tous hein, qui vous manifestez. Là, je parle de ceux qui se manifestent. Hein. Après, j'en ai qui ont suivi le début, mais qui sont un peu à la bourre. C'est vrai que là, au moment où je tourne l'épisode 8, j'ai vu mon retour jusqu'à l'épisode 4, c'est pour ça que je dis ça. Et donc, du coup, voilà, je vais faire un petit bilan, etc. Donc, en tout cas, je vous remercie tous ceux qui suivent et qui commentent. Après, je sais qu'il y en a qui suivent mais qui ne commentent pas, donc je vous remercie également. Mais pensez si ça vous plaît toujours à laisser un petit pouce bleu parce que c'est ce qui motive en fait hein, les likes et les commentaires. Alors je sais que certains ont la flemme de commenter, c'est aussi mon cas pour les vidéos que je regarde, donc mais je laisse toujours un pouce bleu quand la vidéo m'a plu. Voilà, donc en tout cas merci à vous ceux qui suivent le let's play. Donc après je sais pas pour les autres 5, 6 ou 7 parce que c'est pas encore situé au moment où je tourne, mais en tout cas pour les 4 premiers je peux me faire une petite idée et je vous remercie d'être assidus pour ce let's play. Alors dans l'épisode précédent on avait fait beaucoup de choses, hein, je ne rappellerai pas tout, j'avais fait un résumé à la fin de l'épisode précédent, donc du coup eh bien je ne referai pas de résumé là, donc si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, bah je vous invite à le regarder, tout simplement. Voilà, et donc du coup on est parti, et c'était le chapitre numéro 6, c'était le chapitre 6 hein, qu'on avait, qu'on vient juste de débuter à l'instant, qui s'appelait l'équipe crâne, souvenez-vous. Donc c'est parti, comme je l'expliquais, il y a un lac loin à l'est. Nombreux sont les mystères qui entourent ce lac encore aujourd'hui. Nous espérons tirer au clair ces mystères de l'Est. Dans ce but, notre guide prépare donc une expédition, pour la première fois depuis longtemps. Une expédition que tu dis, ça prestige ou quoi, plus génial. Trop cool, ça fait trop longtemps qu'il n'y en a pas eu. Alors, ça veut dire que vous allez choisir les membres de l'expédition parmi nous tous, exact. Précisément. Nous partirons dans quelques jours. D'ici là, nous allons choisir les apprentis les plus méritants. Les membres choisis feront partie de l'équipe pour l'expédition. Travaillez tous très dur pour avoir une chance d'être retenus pour l'expédition. Bah mince alors, j'hallucine. Je suis trop impatiente, moi. Ouais, bah, faut voir, je prends ton expédition, c'est quoi, je suis hyper content, tu vois. Travaillons pour être choisi. Allez tout le monde, back à vos occupations habituelles. Hurrah. Et vous deux. Aujourd'hui, consultez le tableau de mission et les avis de recherche et chargez-vous de vous afficher. Ce sera tout pour l'instant. Désolé, petite coupure, j'avais reçu un message. Donc, du coup, bah, Pijako nous a dit qu'on allait faire les missions et vous allez dire. Ok. Ok, ok. Très bien. Donc, du coup, bah, on va faire les missions hein, comme Pijako nous l'a demandé. Ah. Souvenez-vous de. Il faut donc qu'on accomplisse des missions affichées sur le tableau des missions et des avis de recherche. Essayons de faire le plus de missions possible. Et comme ça, ils nous choisiront pour l'expédition. Allouche d'un œil, Lucas. Regarde ce Pokémon. Eh ! Vous deux ! Hein, ces deux-là. Attends, on les a déjà vus quelque part. Waouh ! Ne prends pas trop au sérieux, c'est un coup de chance. Ouais, oublie jamais ça. Même pas besoin de faire un flashback comme j'ai fait pour Colosseum, le jeu s'en charge pour moi. C'est magnifique. Je me rappelle. Ce sont les deux escrocs qui m'ont frôlé mon fragment de relique. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ici, ceux-là? Moi. Je te signale que nous aussi, on est une équipe d'exploration, d'abord. Une équipe d'exploration qui consulte le tableau d'émission. Ça vous étonne? Quoi? Vous êtes une équipe d'exploration? Exact. Même si c'est vrai que nos méthodes ne sont pas toujours très réglo. Mais quelle bonne surprise! Et vous, quel mauvais vent vous amène dans le coin? On veut devenir l'équipe, mais pourquoi tu prends cette tête-là?
Faut pas baisser, faut pas faire cette tête-là devant eux, vous soufflez de ta gueule. On va devenir une équipe d'exploration. C'est pour ça qu'on s'entraîne à la guilde. Sérieux? Vous voulez vraiment former une équipe d'exploration? Vous deux? Toi, viens avec nous une seconde. Pourquoi? Prends pas mal ce que je vais te dire, hein. Et tu ferais mieux d'oublier toute cette histoire d'équipe d'exploration. Quoi? Pourquoi? Ah, désolé de te dire ça, mais le courage de toi, ça fait deux. Tu vas perdre ton nombre. Un premier comme toi, ça n'a rien à faire dans une équipe d'exploration, point. Mais... Ouais, c'est le PC qui... fait des siennes. C'est vrai que je suis timide. Et c'est pour ça que je m'entraîne, pour surmonter mes défauts. En ce moment, je travaille dur pour faire partie de l'expédition de la guilde. Et parle pas trop, là, parle pas trop, ils vont à tous les coups, vous nous foutre des bâtons dans les roues. Tiens donc, une expédition, tu dis? C'est bien beau de faire des efforts. Mais quand on n'est pas aidé par la nature, faut pas compter faire partie de quoi que ce soit. Suivez mon regard. Tout n'est qu'une question de talent, uniquement de talent. Bande de vantards! Vous parlez de talent? Mais quelles sont vos compétences à vous? Vous êtes si faible que vous avez même perdu contre nous. Waf, waf, waf. C'est parce que notre chef n'était pas avec nous. Votre chef? Tout à fait. L'équipe crâne. Notre équipe d'exploration compte 3 membres. Notre chef, c'est le meilleur. Bah, heureusement, sinon ce n'est pas le chef. Hein. Pour le clair, c'est un dur. Pour être clair, c'est un dur, un coriace, un balèze. Si chef avait été là, on se serait débarrassé de vous en 2 temps, 3 mouvements. Waf, waf, waf. En parlant du chef, je le sens venir d'ici. Tu le sens? Voilà le chef. Bouge du balai. Oh, Lucas! Burk, c'est quoi cette odeur ignoble? Ih, ça pue le fromage pourri! J'apprécie que ça fouette! Plutôt qu'il pue tout le temps, pardi! Eh, dites donc, ça pique les yeux! Hors de mon chemin! À moins que tu aies envie de finir comme le plus brouillé là-bas! Oh non! Chef! Vous en avez mis plein le nez, chef! Vous êtes le meilleur! Ouais, ouais, c'est ça. Alors, vous deux, vous effleurez les missions qui vont rapporter gros? Tout le tableau des missions, il y a que des boulots mal payés, mais. Il y a autre chose, chef, ça risque d'être gros! Pss, 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 blabla, pss. Quoi, une expédition avec cette guilde? Ça a l'air juteux! N'est-ce pas? Sortons d'ici, il nous faut un plan, les gars. Voilà, je t'avais bien dit, hein, Danny m'a parlé. Je t'avais dit, allez, on y va! Ouais! Du balai. Ouais. Qu'est-ce que vous regardez comme ça, circuler, y'a rien à voir? La prochaine, les poules mouillées. Tu vas bien, Lucas? Parfait, tu as l'air indemne. Quelle brute. Je n'ai pas eu le courage de lui rabattre le caquet. En plus, ils en ont pris à toi, Lucas. Je suis pitoyable. Ils ont raison. Je ne suis qu'une grosse poule mouillée. Le roi des poltrons. Je n'ai pas une poule mouillée. Cocotte. C'est vrai que tu m'as pas défendu, hein. Je crois que j'ai toujours répondu que tu n'es pas une poule mouillée à ce moment-là du jeu. Donc là, je vais dire cocotte pour une fois. Parce que je le pense. Haha. Tu as sûrement raison. Je suis vraiment une poule mouillée. Ce n'est pas nouveau. J'essaie de faire mon mieux même si je manque de courage. Pas question de me laisser abattre. Je vais rester optimiste et persévérer. Merci d'essayer de me secouer, Lucas. Pour l'instant, continue à travailler dur, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se fait une émission de... Voilà. Parfait, enfin parfait. Vous avez vu un peu de perturbation à l'horizon. Qu'est-ce que niveau mission à faire, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, j'ai des missions du Mont Irisé. Donc on va voir si j'ai d'autres missions du Mont Irisé. Qui vont sortir du... Qui vont sortir là. Ouais, j'ai trouvé le bébé chaud. Ouais, bof. Hein.
Ouais, on va faire l'émission du Mont Hérissé. Aujourd'hui. Ouais. On va faire l'émission du Mont Hérissé. Emmenez-moi. Je vais se prendre. Et là. On va prendre ça du coup. Ouais, on va faire l'émission du Mont Hérissé et ça va peut-être nous faire beaucoup de drag. 90, je vais faire un petit calcul rapidos. 20, 30, 20. Ouais, c'est suffisant pour monter de grade, c'est cool. Bah, l'émission du style emmenez-moi, franchement, c'est quoi la reconnaissance voilà. De quel côté est-ce que je vous propose et je vois tout de suite. Bah, tout de suite, rien du tout en fait. Oh, un client! Ok! Belle journée, non? Le Café Spinda, votre nouveau magasin, est à présent ouvert. Ce merveilleux magasin vous propose de réaliser tous vos rêves. Tiens, Dr. Chip, ça c'est quelque chose qu'il n'y aura pas dans ton aventure sur PDM, Explorateur du Temps, de l'ombre du fait. Tu fais de l'ombre, de toute façon, t'aurais mis la même chose. Hein. Voilà, parce que ça c'est en plus, toi aussi. Tous nos rêves. Banco! Eh, entrez donc, ne soyez pas timide. Je vois donc quel genre d'endroit il s'agit. Moi, jette un œil. Nous avons deux clients, ok. Allez, c'est parti, on va voir ce que c'est. Ça a l'air prometteur, en tout cas. Waouh, c'est grand, ici. Bonjour et bienvenue au Café Spinda. Oh non, Spinda. Non, j'aurais pas deviné, hein. Je suis propriétaire de ce café. C'est un café qui... accueille les explorateurs avides de découvertes et promptes à relever régulièrement de nouveaux défis. Un café destiné aux explorateurs. Parfaitement! Quoi de plus naturel que vouloir se rafraîchir avec une délicieuse boisson prénommée d'exploration? Ainsi, nous nous réjouissons d'offrir ce service aux explorateurs et nous espérons qu'il leur apportera joie et réconfort. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. Permettez-moi de vous faire le tour du propriétaire. Ici, vous avez le bar à jus. Vous avez sûrement ramassé des gelées et des pommes lors de vos explorations, n'ai-je pas raison? À ce bar, vos objets comestibles peuvent être transformés en une harmonie de sensations gustatives. Moi, Spinda, je prends vos ingrédients pour préparer de délicieuses boissons grâce à mon incomparable talent. Vraiment? Tu veux dire que si on t'apporte une pomme, tu nous prépares un jus de pomme? Exactement, c'est tout à fait ça, c'est le principe. Et vous, tout en vous délectant d'une boisson nutritive, vous pouvez vous détendre et partager vos récits d'exploration. Passons au compteur suivant. C'est un peu la cerise sur le gâteau de ce magasin. La bourse d'échange. Il paraît que pendant vos aventures, vous avez passé plein d'objets de plein intérêt, n'ai-je pas raison? Parfois, quand votre inventaire est plein, vous devez vous débarrasser de certains objets. Quel immense gâchis! Je veux dire qu'au milieu d'un donjon, un explorateur pourrait avoir besoin de ces objets que vous êtes délégué dans la réserve. C'est en passant à cela que nous avons décidé de mettre ce stand en place. Vous pouvez amener vos objets superflus et les échanger contre des objets qui vous tentent. Qu'en êtes-vous? Bah, du coup, j'ai besoin de rien expliquer, tu m'avais parfaitement bien expliqué. Je pense que tout le monde a compris. Les déchets des uns font le bonheur des autres, n'ai-je pas raison? Je pensais qu'un explorateur pourrait apprécier de collecter puis d'échanger des objets avec ses pairs. Vous n'aurez plus jamais à jeter le moindre objet. Fini, état de conscience. Voilà mon objectif. En résumé, si vous avez une série d'objets superflus, n'hésitez pas à utiliser les services de la bourse d'échange. Vous pouvez même obtenir un ticket mago bonus en échange d'objets. C'est amusant comme tout. Je sais, c'était visite éclair, mais j'espère que vous avez pu vous faire l'idée de ce que nous proposons ici. Waouh, ça a l'air sympathique comme endroit. Merci beaucoup. C'est mon objectif de proposer un café où les rêves se réalisent et où les explorateurs peuvent se retrouver. J'espère vous revoir bientôt au Café Spinda. Ouais, ça a l'air cool en tout cas. Allez, tiens, il y a nos partenaires. Ça, c'est ceux qu'on avait recrutés dans la musée présente. Youhou, c'est vrai que c'est excellent. On va parler à tout le monde, parce que ça fait une odeur. C'est une bonne idée d'échanger vos objets, n'est-ce pas? Moi, je suis trop béant, je vais changer. On n'a jamais trop de béant. Du coup, on va voir
Ok, salut, bienvenue à vos échanges, j'ai plus que vous débloquer, on va se quoi échanger. Alors du coup, qu'est-ce qu'il propose? Béoran et Tikemago. Ouais, bah pour l'instant, on va prendre Tikemago. Ouais, alors faut donner 4 objets. Donc des objets qui nous servent à... Que dalle, là-dedans, il y a quoi? Ici, il y a rien. Ouais. Graine vide déjà. Botter les graines, c'est pas hyper utile. On s'en débarrasser. Jaser avec son garde. Alors, ici dans la salle des trésors, qu'est-ce qu'il y a qui sert à que dalle là. Botter les graines, ouais. Une belle pêche, allez hop. Yeah. On va changer, on va voir ce que c'est. On va prendre rouge, c'est votre couleur préférée. Hop. Au banco, rouge. Alors c'est perdu. Ah super, banco. Ah vraiment, c'est pas bien grave. Révèle l'orbe. Non mais je veux pas. Ah je... Ouais, non. Et du coup maintenant on va pouvoir... La baie normale, hein. La baie, comment ça s'appelle là? Ah oui, putain, oui, il faut pas voir que c'est la réserve. Bon, tant pis. C'est pas grave. Ah, et au coup. Oh, Lucas, tu sors du café? Tu tombes bien. En fait, j'ai un truc à te demander. Avant, quand tu ajoutais des membres à ton équipe d'exploration, ceux-ci t'attendraient près du point d'eau. Maintenant que le café vient d'ouvrir, tout le monde est d'avis que ce serait mieux d'attendre tranquillement au café. C'est tout à fait compréhensible. Je veux dire, je comprends leur point de vue. Et toi, Lucas, qu'en penses-tu? Aimerais-tu que les membres de ton équipe t'attendent au café? Merci, Lucas. Je m'occuperai de faire passer le mot à tout le monde. Aucun doute qu'ils seront tous heureux d'entendre ça. Oh, j'avais oublié. J'ai placé une pancarte ici. Tu l'as vu, Lucas? Oui. Bien sûr, tu l'as vu, Lucas. Tu vas forcément faire sonner la cloche puisque ton équipe est déjà rassemblée ici. Comme tu le sais, quand tu fais sonner cette cloche, j'accorde la guide à toute vitesse. Je vais continuer à rassembler ton équipe d'exploration ici. Donc quand tu veux rassembler ton équipe, tu n'as qu'à faire sonner la cloche. C'est tout, Lucas. Bonne chance pour tes explorations. Parfait, merci beaucoup. Et au coup. Du coup, ouais. Le dojo il a ouvert, on verra plus tard. Quoique. Ah, attendez, on va faire un petit épisode tranquille, sans mission, sans rien, je pense, aujourd'hui. Ouais. Ok, du coup, on va aller voir le dojo. Hein, des visiteurs? Enfin! Mais... Premier visiteur! Bienvenue au dojo Satur, c'est chez moi, c'est un lieu consacré à l'entraînement des équipes d'exploration. Le dojo est en ruine, il ne restait que des décombres, mais voilà que tel le phénix, il renaît de ses cendres. L'ennui, c'est que je n'ai pas encore eu de visiteur. Pas l'ombre d'un visiteur. Comme je suis déçu, déçu jusqu'à l'os. Et maintenant, voilà vous deux. Vous allez inaugurer mon dojo. Je suis tout excité, j'en crois pas mes os. Je ne veux même pas d'argent. Gardez-le. Tout ce que je vous demande, c'est de vous entraîner ici. Voici l'entrée qui mène au dédale d'entraînement. Il faut que je vous dise une chose. Les dédales d'entraînement n'ont rien à voir avec le dojo ordinaire. Ça ressemble un peu au dojo Makuta, en fait, dans... PDM équipe de secours. Il est un os, voyez-vous. Quand vous y pénétrez, vous devez remettre tout le contenu de votre sac à trésors. Évitez de perdre les objets de votre sac à trésors, laissez-les à la réserve quand vous rêvez avant d'entrer. Encore une chose. Si vous êtes KO, vous ne perdez ni l'argent, ni les objets trouvés dans le dédale. Vous les garderez. Vous ne risquez rien. Vous pouvez y aller à fond pendant l'entraînement. Allez, faites-vous plaisir, entraînez votre équipe ici. Qu'en pensez-vous? Ouais, j'ai compris.
Merci d'ailleurs pour la personne qui m'a dit comment faire pour accélérer. Hein. Maintenant je sais comment faire pour accélérer, ça va vraiment m'être utile. Voilà. Merci à toi, Manon. C'est Manon qui m'a dit ça. Merci à toi. Si j'ai trouvé comment on peut accélérer, maintenant ça va, être, ça va vraiment me servir parce que. Ah oui, j'ai appris de la question de l'ouverture, ce sera très prochainement. Essayez à tout prix dans ta partie. Alors qu'est-ce que tu nous vends? Pétrigraine, c'est toujours utile, on va prendre une là. Et puis. Voilà. Stupéfieur, bah, profitez de vous aimer. Hop, ça reprend ça. Ah, purée, j'ai plus assez de. On va déposer des trucs, les gars. On va déposer des trucs. Alors, là. Téléport, bah ouais. Alors du coup c'est bon pas hein. Ouais. Dans ça voilà, c'est ok. Pétrigraine, voilà, c'est ok aussi. Parce que voilà on est chaud patate les gars. Ouais c'est bon hein. Non c'est bon, c'est bon. On est bien. Non, c'est pas ça. On doit acheter l'Ibobizorb. En tout cas, le stupéfieur, bah, c'est vraiment bien parce que ça permet de pétrifier les Pokémon et ça fait ça pour les maisons de monstres, notamment, c'est très utile. Pour moi, c'est encore cette tête du jeu, on peut pas en rencontrer encore dans les donjons. C'est cette tête du jeu, mais voilà, quand même. Oh, du coup, c'est bon. On est tranquille là. Ou encore toi qui kiffes la mer, pas envie de te parler là. Alors, salut. Il est chiant que sa mère, les gars. Tout le temps, la mer. Hop, c'est pas la peine. Et écoutez, ce que je vous propose, les gens, c'est que je fasse une pause et qu'on se retrouve eh bien juste après l'émission. Puis, de toute façon, ce sera la fin de l'épisode juste après. Donc, du coup, je pense qu'on va faire ça comme ça. Tout simplement. Les gens. Allez, à tout de suite. Eh bien, tout le monde, ça y est, j'ai accompli la mission et j'ai oublié d'en faire une. J'ai pris trop vite l'escalier, donc du coup, je monte pas de grade pour cette fois-ci, c'est bien dommage, mais bon, tant pis. Hein. Je vais accepter cette récompense du bouquet de l'art. Hop là. Direct toxique. Oh, c'est pas mal ça. C'était bien coréen, la ragdo, n'empêche. Il était vraiment bien coréen, hein. Joli azur, ok. Ok. Voilà, donc on va s'arrêter là, les gens, pour cet épisode, je pense. Enfin, je pense pas, j'en suis sûr, même. J'espère que... Du coup, cet épisode vous aura plu, les gens. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, hein. Ça fait toujours plaisir, comme je l'ai rappelé au début de la vidéo. Et à laisser un commentaire. Donc, c'est un épisode plutôt tranquille, mine de rien, même s'il y a certains éléments, ça a été surtout beaucoup de blabla cet épisode. Mais il faut bien des épisodes comme ça, hein, de toute façon. C'est pour que l'aventure avance, tout simplement. Donc, au cas, je vous dis à très très vite pour l'épisode numéro 9 de PDM, Explorateur du Ciel. Ciao, bye, tout le monde, c'était. Et les câbles bestes.